Ah, mais merci beaucoup. Je suis là. I'm here. J'arrive vite fait, j'essaie de mettre mon putain. Ouais. Et coucou! À voir, c'est ça du coup. J'arrive pas à mettre le truc. Bien, ouais.
しようかな。Ok. C'est bon, j'arrive. Caméra. Ok. Alors, on en est à Ranzou. Yos. Peut-être que tu pourras apprendre quelque chose. Le jeu, non, il est bien, il est bien. Interdit de brûlure. De brûlure. Après, la foudre, ça peut faire... Ah oui, non, mais il y a du truc d'électricité. Le loup ici. Un bandeau. Mais il y a ça. Après de l'eau, ça peut venir de... Yes. Alors de quoi là? Moi je crois que c'est électrique parce qu'il y a des trucs électriques. Yos. Mais je crois pas que ça soit Pikachu.
Je pourrais lui faire un alibi. Ok. Mais personne, il faut qu'on interroge les personnes. Et merci Alicia pour le follow, merci beaucoup. Comment ça va? Morte quoi? Cam. Cam. J'arrive.
Le micro. Pardon, le micro. Non, l'état de café, il est où? Là, là. Vraiment, dites-moi en plus, s'il vous plaît, à propos de Pikachu. Regardez-moi ce qui s'est passé quand Pikachu est venu hier soir. Je lui ai déjà servi ça, sa commande habituelle, une tasse de café noire, fraîchement moulue. Il a l'air, elle a beaucoup l'apprécié. Je crois que on a... Mais je suis pas petite en vrai. Ça, je me souviens pas, non. C'était pendant le journal de télé du soir. Si jamais je pouvais te donner une heure plus précise. Ok. Donner du café à un Pikachu? Un Pokémon, c'est pas juste mauvais pour lui. Alors Mewtwo, en soi, le Pikachu, c'est pas vraiment un Pikachu. Genre, en gros, le Pikachu, il est... comment t'appelles ça? C'est un... C'est pas un Pikachu pour vraiment parler. C'est un être humain. J'ai vu le film, ok. Fait que du coup, oui, c'est pas bon pour donner... voilà. Mais en soi, Pikachu... il est... Voilà. Toi, t'as quoi, Zé? Oui, c'est ça. Ça ne doit pas quitter... Tu restes le jeune détective. Ok. Un commissariat. On va au commissariat. Arigato. Mais t'as pas Tim. Il faut que tu saches. Ensuite, tu peux venir en visite au maximum 2 fois par jour, mais les visites ne peuvent pas être consécutives. Oui. Je vais pouvoir parler à Pikachu. Oh là là. C'est ça le parloir. Tim. Pikachu. Taku mo, genki sou de anshin shita yo. Oi. Da koi o dasu na yo. Kikaretara ayashimareru zo. Ah, sokka. Tout va bien, Pikachu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et c'est vite, je me fais beaucoup de sourcils pour toi. Y'a de quoi? Non, mais tu te rends compte, un grand détective comme moi, accusé comme un démi, ouais. Je pense que tu as endommagé la statue d'Hermès sur la place de Fontaine. Je suis allé inspecter les lieux, les fragments de la statue, j'ai trouvé des... qui étaient électrifiés.
Ce qui veut dire que le coupable est le Pokémon qui peut utiliser des capacités de type électrique. Attends une seconde, je peux utiliser aucune capacité. Ne t'inquiète pas, je sais bien que ce n'est pas toi le coupable. Mais même si je le répète au BPP, ce que tu viens de me dire, ils ne le croiront jamais. Ouais, si tu veux leur dire Pikachu, dis qu'il est innocent, ils vont te regarder bizarrement. Il faut que tu me prouves que tu sais... Ouais. Je savais que si tu veux compter sur moi, demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire ce soir? Ok. Je voulais me poser, réfléchir à ce que tu venais de se faire passer et sur le point de connexion entre les événements de ces derniers jours. Et si je me souviens bien du film, la conscience du père est transférée dans le corps de Pikachu, donc c'est un vrai Pikachu, du coup. Oui, c'est un vrai Pikachu. Oui, t'as raison, Mewtwo, c'est un vrai Pikachu, mais en soi... Oui, ok, c'est vrai, c'est pas bon. C'est pas bon de donner du café à un Pokémon, c'est vrai. T'as raison, Mewtwo, du coup, je retire qu'est-ce que j'ai dit. Ne buvez pas, ne donnez pas du café à Pokémon. Voilà. C'est vrai ça. Est-ce qu'il y avait d'autres Pokémon dans le coin en ce moment-là? Certains qui utilisent des capacités de type. Non, j'en ai vu aucun. Le coupable a dû arriver après mon départ, hein, je vois. Et après ton arrivée au café, est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'étrange? Maintenant que t'en parles, je me souviens que pendant que je me détendais au café, j'ai entendu un bruit sourd comme un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre, hein? C'était peut-être le bruit de la capacité de type électrique qui a endommagé la statue. Par quelle heure tu as entendu ça? Je me souviens pas de l'heure exacte, mais je sais que c'était pendant le journal du soir. Le truc, c'est que le mec, il est quand même assez intelligent, en guillemets, hein, parce que, en gros, genre, tu dis, il y a un Pokémon électrique, Pikachu, t'es, comment ça s'appelle? Genre, c'est toi le coupable. Mais comment est-ce qu'il aurait pu savoir que Pikachu est coupable sans nécessairement des preuves, sans vidéo? Je sais pas s'il y avait des vidéos, des caméras surveillance. Mais le truc, c'est que ça a bien tombé. Hein, le moment où que Pikachu il a décidé d'aller tout seul à un endroit et que le policier a fait... Attends, c'est Pikachu le coupable? Est-ce qu'il savait? Comment dire? Après, peut-être qu'il a vu Pikachu qui était tout seul, je sais pas, mais est-ce qu'il aurait su comme quoi que Pikachu, il était tout seul? Genre... Je sais pas. Moi, m'évader, jamais, je vais jamais sortir d'ici en bonne et due forme en prouvant mon innocence. Eh oui. Je devrais pouvoir déduire l'endroit où se trouvait quand, où tu te trouvais quand l'incident s'est produit. Laisse-moi juste jeter un œil à nos notes d'enquête.
Ok. Où était Pikachu ? Quand il y a eu les sédans. Sur la place de la fontaine, Pikachu a été vu de dos en train de quitter la place de votre. Il était là. Et c'est ça, il a entendu un coup de tonnerre. C'était sur la plage en train de faire du surf. Imagine, je devrais pas avoir à te le dire. Encore un gros merci hein, pour les 250 euros. Merci Tim, je compte sur toi. Quelque chose avec un comportement bizarre à l'instant. Peut-être que c'est de ça qu'il parlait quand même. Ouais. Faut quitter le commissariat. Te voilà. J'aimerais tout de suite entrer dans le vif du sujet, mais l'endroit n'est pas vraiment idéal. Allons discuter là-bas. Merci infiniment de m'avoir permis de rendre visite à Pikachu. C'était le moindre que je puisse faire, donc tu as pu le voir. Grâce à vous, mais on n'a pas vraiment l'air ravi. Je suis heureux d'avoir pu le voir, mais j'ai l'impression que j'ai encore plus de soucis à me faire maintenant. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Avant que je vous parle de ça, est-ce que je pourrais me poser quelques questions? À propos de la détention de Pikachu. Est-ce que vous avez été prévenu que Pikachu allait être mis en détention? Non, j'ai été aussi surpris que toi. Apparemment, le maire veut que le BPP détienne davantage de Pokémon. Alors, Buckler arrête le moindre Pokémon qui, selon lui, pourrait poser un problème. À sa décharge, les preuves qu'il fournit sont toujours irréfutables, dont la détention des Pokémon n'est jamais justifiée. Mais est-ce que quelque chose vous chagrine? Sa façon de faire est très agressive et inquiétante. Ils ordonnent d'arrêter des Pokémon à tour de bras sans même recueillir un témoignage des habitants, au contraire, ils l'interdisent. Oui, ça serait pas vraiment. Ce serait pas des bons, ce serait des méchants. Ouais. Juste que je me demande si l'approche qu'ils ont adoptée est vraiment la meilleure. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus au sujet de Monsieur Butler? J'ai vu ensemble cet après-midi, est-ce que vous travaillez ensemble d'habitude? Ce dernier temps, oui, enfin, nous ne sommes pas non plus collés l'un à l'autre en permanence. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai un peu l'impression qu'il me surveille. Comment ça? Re, ma Pikami, on voit tout illuminé. Qu'est-ce que tu as fait, ta caméra? Mais le truc, c'est que... Hop. C'est pas bon comme ça? Parce que là, le truc, c'est que si je le mets comme ça... Oui, j'ai mis la lumière. C'est mieux avec la lumière, ok.
Ok, ok. Non, mais je sais pas, vous me dites hein, si c'est pas mieux ou... Ah, tu croyais que c'est la caméra? Ah non! Je sais pas, t'étais en mode... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'as bien mangé? Vous avez mangé quoi du coup? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez mangé? J'ai mangé pizza. La moitié d'une pizza. Et des... Comment ça s'appelle? Des... Ah! Comment ça s'appelle les patates? Oh, mais merde. Ah, je sais plus. Oui, elle était très bonne. J'ai des petites patates rondes. Bonne noisette, voilà. Merci. Et toi, où t'as mangé quoi? Vous avez mangé quoi? Moi, petit McDo. Au McDo, des fois, ça fait du bien. En vrai que vous avez aussi, vous, traversé une période difficile. Pareil, cubique. Je suis allée rendre visite à Pikachu, j'ai remarqué qu'il avait une sorte d'appareil cubique sur le dos. Ça faisait 3 semaines, j'en ai plus. Attends, juste 3 semaines? Ça va en vrai. Ça va, ça va, ça va. Non, en vrai, ça va. Non, moi, au McDo, j'en ai mangé, c'était quand? C'était mardi, je crois. Non, lundi. C'était lundi. Mais vite fait. En gros, j'avais faim le matin. Et voilà. C'est marrant là pour un bel chez un châtiment. Comment ça, c'est un châtiment? Mais c'est tout que je cachais malheureusement. Comment? Même vous ne savez pas exactement c'est quoi ces appareils. Les gens d'ailleurs ont beaucoup de secrets qu'ils ne partagent avec personne, même avec la police. Leur sécurité est impénétrable, donc il est difficile pour moi d'enquêter sur eux de manière indépendante. Je veux dire que même un inspecteur de police comme vous ne pouvait pas leur prendre davantage. Est-ce que vous avez quelque chose au sujet des événements d'hier soir? Hein? Tu veux parler de ces Dardaniens qui ont semé la pagaille? Et qui est en charge de l'affaire, la police n'a rien, aucune information sur ce sujet. Nous coopérons avec le BPP. J'ai de la misère. Mais il est rare qu'ils nous tiennent au courant de leur opération. Je vous remercie, je me disais que vous avez peut-être quelque chose. Désolé de ne pas pouvoir t'aider davantage. C'est une fois par semaine, non? Faut demander ça à qui donc? Les coquilleurs, à d'autres mondes qui habitent en Belgique, hein? Toyu wake nanda yo. Konna tokoro de nani wo hanashiteru no ka ne? Ok. Et donc on se retrouve, je viens de dénexer. Bonsoir monsieur Bacla. Vous avez besoin de moi? Non, je passe juste dans le coin. Mais puisque je suis là, inspecteur Holiday, permettez-moi de m'assurer que vous ne prenez pas de décision impulsive sans me consulter. Bien sûr que non. Vous m'envoyez ravi. Après tout, il est primordial que le bureau et la police respectent les procédures à l'aise. Sur ce, je vous laisse. Je vous les belles, oui, une fois par semaine bouger. Oh, mais genre toutes? Genre vraiment littéralement toutes? Genre tout le monde que tu connais? Non. Tu comprends maintenant quand je disais que j'avais l'impression qu'il me surveillait. Sois très prudent. Il ne t'arrivera rien de bon si, d'accord, t'es dans le collimateur. C'est ça que vous essayez de me dire. Je me fais du souci pour toi et Pikachu. Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose pour vous aider ouvertement dans ma situation actuelle. Mais je sais que tu trouveras moyen de prouver l'innocence de Pikachu. J'ai confiance en toi. Merci. À la plus tard. Ok. Devenu une heure quand l'appareil cubique sur son dos s'est allumé. On me dit que ça serait simplement de balises de gestion, mais j'en suis pas convaincue. Les témoignages que j'ai recueillis au sujet de Pikachu soulèvent aussi certaines questions. Peut-être que j'en saurais plus si je pose des questions à propos des autres Pokémon détenus. Ceci dit, il n'y a pas grand nombre monde dehors à cette heure de la journée. Il y a peut-être encore des clients à Hit Hat Café. Je vais aller là-bas. Alors.
Non, c'est pas par là, c'est par là. Le hit hot café. Je savais qu'il y aurait encore des clients ici. Qu'est-ce que je dois choisir de la musique là? Ça va pouvoir se faire, j'imagine. Si tu parles du satellite internet, oui, je l'ai vu. Est-ce que vous avez vu d'autres Pikachu? Non. Ça commence quand même. J'avais un panda bar, ça va arrêter. Au début, j'avais un peu peur du panda bar à cause de sa taille, mais en fin de compte, il était plutôt mignon. Pendant qu'il marchait avec le policier, il agitait ses pattes comme s'il dansait. Il dansait? Oui, il a agité ses pattes dans tous les sens pendant un petit moment. Ok. Qu'est-ce que panda bar avait fait ça? Petit Pikachu. Je le vois tout le temps ici. Est-ce pas qu'il y a d'autres Pikachu? Non, je n'en crois pas. Ok. Un cri malin. Ok. Une sorte d'appareil. Il avait l'air très content et il a presque pris l'appareil des mains du policier tellement il était excité. Quoi? Ok. Ok. Où t'es quoi, j'ai les amandes? Faut pas interagir avec le café. Je peux vous poser quelques questions à propos du Pikachu. J'ai vu le détective, ouais. Ok. J'ai vu un groupe de Pokémon 3, il me semble, il se sent à moi. Ouais. L'appareil attaché sur leur dos. Ok. Ils se sentent tellement calmés. Calmos. Et lui? Alors, de quoi, du coup? Lors des arrestations, il faudrait que je trouve. Alors, des appareils contrôlés. Arrestations sont seulement calmées. Ah, joyeux. Des appareils pour faire danser les Pokémon. Yes. Ok. Pardon. Voilà, ça s'est peut-être entendu. Désolé, fallait que ça sorte. On a parlé à Brad. Parlons à Brad. Je m'attends pas à vous trouver ici à une heure pareille. Tiens, bonsoir, grand détective. J'ai terminé mon service pour aujourd'hui, vois-tu. J'avais juste envie de me détendre un peu en admirant la fontaine avant de rentrer chez nous. Quel dommage que quelqu'un l'ait abîmé comme ça. Si je me permets d'apparaître, ce n'est pas Pikachu qui avait ça.
Mandara, attends. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais là, cette heure-ci? J'essaie de découvrir ce qui s'est vraiment passé dans cette affaire. Pour mettre la main sur le véritable coupable. Eh ben, je te souhaite bien du courage. Brad, attendez, s'il vous plaît, vous êtes venu ici cet après-midi aussi, n'est-ce pas? Alors, tu m'as vu? Est-ce que... Non, rien. Qu'y a-t-il, Brad? Oh, rien, je crois que je vais rentrer chez moi. Demain, elle risque d'être encore une journée très chargée. Tant de Pokémon arrêtés ici peu de temps. Toi aussi, tu ferais mieux de rentrer. Un gamin comme toi ne devrait pas traîner dehors après l'heure du coucher. Il avait aussi l'air d'être plongé dans ses pensées, ce que lui ne ressemble pas du tout. Ça m'intrigue, mais ça ne change rien à mes affaires. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je reprendrai demain. Il va reprendre demain! Pikachu matin. Sate. Assez planaché, c'est pas en me plaignant que je sortirai d'ici au plus vite. Je travaille dur pour prouver que je suis innocent. Moi aussi, je dois faire tout mon possible de mon côté. En vrai, ouais. Ouais. D'abord, tu peux voler ce bâtiment. Non, non. Oh! 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 Ah, il y a un. Oh! Trouvé! Ouais. Ça y est, combien de... hop. Voilà. Ok. On dirait qu'un conduit, je pourrais peut-être l'emprunter pour accéder à l'autre pièce. おい。俺はボールじゃないぞ。
酒。Tu penses quoi? Tu penses en être capable? Je pense que... Je sais pas ce que je peux faire avec le soutien de mon partenaire et si vous acceptez tous de m'aider. Ce que c'est attendu, tu peux compter sur nous. J'ai pas été tout de vous convaincre. Je m'étais faite une montagne. J'ai mes raisons. Coopérer avec toi permettra d'arriver plus facilement à la maison. Voilà tout. Alors pourquoi t'étais plus pas plus amicale au début? J'invitais tous les nouveaux à se joindre à ma école, ce sera très vite entouré d'un point incompétent. Ah, tu m'as mis à l'épreuve, hein? Je suis pas sûre qu'on va être très copains tous les deux. Mais plutôt, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? D'abord, il me faut des infos. Qu'est-ce que tu peux me dire? Attendez, Ok, ouais. De nouveaux Pokémon détenus, il faudrait que je puisse en savoir plus. Un humain arrive par ici, retourne dans ta cellule immédiatement. Ok, merci de m'avoir prévenu. Vraiment, du bol de pouvoir regarder à travers les murs. Pas bah, mal de bavarder, dépêche-toi. Voilà quelqu'un. En vrai, tu te tiens tranquille. Genre, qu'est-ce qui vient? J'ai entendu qu'il y avait eu une altercation hier, mais évidemment, Pikachu n'est pas blessé. T'inquiète pour moi. Oh, c'est gentil, ça. Quelle plaie. Hein? J'en ai marre de tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il était devenu quelqu'un d'autre tout d'un coup. Pourquoi est-ce qu'il faut que je me déplace exprès pour voir comment il va? Tu parles d'une perte de temps. Tout ça pour un vieillard Pikachu. Mais gare-moi, fais gaffe à ce que tu dis, l'ami. Oh, la ferme, tu pourrais crier Pika Pika tant que tu voudras, personne ne viendra te délivrer. Tu m'entends? Tu sortiras jamais d'ici. Qu'est-ce que c'était ce cinéma? Il était pas du tout comme la dernière fois. Cet endroit est de plus en plus louche, décidément. Mais au moins, il est parti maintenant. Je vais pouvoir reprendre mon enquête. Il faut que j'aille rendre visite aux Pokémon qui sont arrivés aujourd'hui. Ouais. Pourquoi t'es ici? Je faisais ma vie et maintenant il se demande de vous laisser me rencercler. J'ai repris mes rêves et j'étais ici. Qu'est-ce que... Ok. Attendez, je vais essayer de voir avec quelqu'un. Si je peux. Parce que là, je vous avoue, 12 heures de Pikachu, c'est cool, mais c'est chiant. C'est archi chiant. Attendez, 30 secondes. Alors.
Ok. Alors du coup, oui. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire les gens? On va s'arrêter ici. Je vais aller jouer à Mario Kart, du coup, avec d'autres mondes. Voilà, parce que je vous avoue, j'en ai un peu marre de jouer à à Pikachu. Du coup, hop. Il faudrait juste que j'aille. Il faudrait juste que j'aille. J'aimerais que j'aille les trucs. Alors, du coup, on va faire ça. On va sauvegarder. Hop. Enfin, oui. Hop. On va faire ça. Et on va mettre Mario Kart. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Mario Kart en vrai. Mario. Mario Kart avec le copain. Mario Kart 8.